Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue de vous retrouver dans ce match après match. Comme tous les lundis, nous allons passer en revue une partie de l'actualité football de la semaine écoulée. Ce soir, nous allons parler un peu de foot suisse, un petit peu d'Espagne, d'Italie, pas mal de transferts. Du coup, un agent de joueur avec nous aujourd'hui parce que ça chauffe. Bienvenue à vous, Lorenzo Falbo. Gilbert Grèce nous a aussi rejoint. Bonsoir Gilbert. Nestor Soubiat est prêt à rugir, surtout quand on parlera de Lionel Messi tout à l'heure. Et puis enfin, pour la rédaction de Téléclub, je salue Vincent Rigolet. Bonsoir. Messieurs, regardez cette image. C'était il y a exactement 10 jours. Ambiance assez incroyable au stade de Genève, plus de 20 000 spectateurs pour applaudir le Servette FC qui accueille le Lausanne Sport dans une ambiance de promotion en Super League. C'était magnifique. Et puis, 6 jours plus tard, même endroit, même heure, 2652 spectateurs pour accueillir Rapperswil. Bien sûr, l'affiche est moins tentante, mais ça vous divise quand même l'affluence par presque 10. Alors, la saison prochaine, Servette sera-t-il capable de bien remplir son stade s'il ne joue pas les premiers rôles, s'il n'affronte pas Bâle ou eBay, ou s'il ne joue pas contre un roman? Votre avis, Gilbert Grèce? Ben, on dit souvent que même si on joue en Challenge League, premier contre deuxième attire plus de monde que si on a le niveau au-dessus et que le septième joue contre le huitième, quoi. Donc là, c'est un match entre le premier et le deuxième, même en Challenge League, ça attire du monde et c'est beau de voir ça. Mais bon, je dirais aussi que malheureusement, et je sais de quoi je parle, Genève n'a pas toujours été une grande ville de football, quoi. C'est ça aussi le problème. Surtout un match exceptionnel. Moi, j'étais présent. Alors, j'étais présent il y a 8 ans exactement pour la promotion qu'il y avait eu contre Bellinzon à l'époque. Ouais. Voilà. Oui, je vous pose tout de suite la question vache. Pourquoi est-ce que 6 jours après, vous n'étiez pas présent parmi les 2600 spectateurs pour le match contre Rapperswil? Alors, j'avais une bonne excuse, j'étais à l'étranger. Donc, effectivement, j'avais une bonne excuse. Non, mais après, je pense que voilà. Oui, superbe fête. C'était une fête qui était prévue. Alors évidemment, ils ont répondu présent sur le terrain, donc ça a été magnifique. Après, je ne suis pas plus étonné que ça, qu'il n'y ait que 2600 spectateurs, qui étaient à peu de choses près la moyenne de la saison. Hein, je crois qu'on est sur à peu près ça sur la saison. Donc je ne suis pas plus étonné. Aucun enjeu, une équipe en face. Voilà, je dirais qu'il faudra voir l'année prochaine. Pour les joueurs, je pense qu'ils méritent beaucoup plus. C'est un match, mais ce n'est pas surprenant. Voilà, c'est pas surprenant. Raison, alors, une affluence de deuxième division, si je reprends quelques chiffres de la dernière présence de Servette dans l'élite suisse, en 2013, donc, il y avait 10 000 spectateurs, par exemple, pour accueillir Sion, 7 500 pour accueillir Bâle, ça va encore, 4 000 contre Lausanne, 4 000 contre le LS. Il faut s'attendre à quoi pour la future saison Super League de Servette? Parce que finalement, ça peut aussi peser sur les performances du club, sur le budget du club. Moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Oui, il y a un potentiel. Alors évidemment, il n'y a pas un potentiel de 20 000 personnes à chaque match. Ça, il faut être conscient. C'est clair et net. Maintenant, entre 5 et 10, je pense qu'on peut parfaitement... aujourd'hui, entre 5 et 10, c'est quand même une belle affluence en Suisse. Et je pense que Servette, les gros matchs, il y aura certainement plus de monde. Mais ça va être difficile. Ça ne va pas être évident d'attirer plus de 5, 6, 7 000 personnes à chaque fois. C'est décevant parce que dans tous les pays, actuellement, le football attire. Quand je joue à Strasbourg, stade plein, tout le temps, complet. Mais Strasbourg, les 15 derniers matchs, ils en ont gagné un seul. Un seul sur 15 matchs. Et le public est là. Parce qu'il y a la presse aussi qui monte le truc. Je pondérerai un tout petit peu parce que voilà, je vais souvent en Espagne. Les gros clubs, évidemment, les stades sont pleins. Je vais souvent à Gironde. Capacité du stade, 13 000 places. En moyenne, il y a 7 000-8 000 personnes. On parle de Liga. Donc je pense qu'il faut aussi être un tout petit peu, relativiser un petit peu. Si Servette, l'année prochaine, arrive à faire entre 5 et 7 à tous les matchs, et de plus de 10 000 sur les gros matchs, je pense que ce sera déjà très bien. Et il y a la concurrence du hockey aussi à Genève. Aussi, parce qu'il n'y a peut-être pas le public suffisant pour remplir les deux stades. Et actuellement, le hockey fonctionne bien, et c'est le cas dans toute la Suisse romande. Mais ils travaillent ensemble. Et je pense que la force de Servette aujourd'hui, de Genève, c'est qu'ils ont vraiment un marketing commun. Enfin, ils vont vraiment travailler ensemble. Et ça, je pense que ça va être une grosse force. Avec le rugby aussi. Oui, avec le rugby aussi, même s'ils ont perdu ce week-end leur chance de remporter un titre. C'est rugby maintenant aussi. Oui, ça vient d'une petite concurrence, mais ça peut devenir effectivement. Mais ça commence gentiment, effectivement. Mais vous avez lâché le mot marketing. Il faut peut-être inculquer à Genève une culture du football. Alors, surtout qu'on ne se méprenne pas sur mon propos, mais je voudrais quand même rappeler que sur les 500 000 habitants de Genève, il y en a 200 000 qui sont d'origine étrangère. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette identité de club? Je voudrais
donne un exemple. En Italie, il y a un président, lors de chaque naissance dans sa ville, le président du club, il envoie, comment on appelle ça, une grenouillère au logo du club, avec le signe du club, à tous les bébés. C'est un premier pas, finalement, pour devenir supporter du club. Donc, c'est aussi une question de marketing. C'est une question de temps aussi, parce que Servette a eu besoin de temps pour se reconstruire au niveau de l'équipe, au niveau du staff, etc. Ben maintenant, il faudra prendre un peu de temps pour reconquérir le cœur de ses supporters, parce que c'est quand même un club. Alors, vous dites que c'est pas une ville de football, mais c'est un club qui est 17 fois champion suisse quand même. Donc, il y a un tout petit peu d'histoire. Et je pense qu'il va falloir un tout petit peu de temps, mais ça va se faire aussi. On a vu aussi le LS en grande difficulté à remplir la Pontaise pour alors qu'ils étaient en Super League, qu'ils sont descendus, etc. Même en Super League, c'était pas forcément complet. C'est jamais évident. Donc, mais, mais je crois que la Suisse romande a un petit problème quand même avec le foot. Alors, mais il y a des potentiels. Il y a un désintérêt. Mais il y a un potentiel. Servette, en ce moment, on le voit, ils ont fait une super boutique en bas. Hein. Je sais pas si vous avez l'occasion d'aller. Ils ont fait une belle boutique commune de nouveau. À tous les sports. Ces trois sports. Donc je pense que voilà, là il y a vraiment un effort qui est fait sur la mise en avant du Servette FC, enfin du Servette comme entité sportive générale, un peu à l'image de certains clubs aux États-Unis, club multisport. Et je pense que peut-être le salut vient aussi de ça, à mon avis. Et je trouve ça particulièrement intelligent. Tout à fait. Parce que ça permet de réunir les forces. Il y aura surtout la réussite au sein des trois clubs. Il faut que Servette joue dans les premiers rôles aussi. Mais je pense que Servette monte pour jouer, en tout cas. Voilà. Qui recrute des 8e, 9e. Je pense qu'ils sont dans un trend où, à mon avis, ils vont monter pour, en tout cas, pas jouer la relégation, évidemment, et jouer milieu de tableau, voire plus. On le voit cette année, on est à 2 matchs de la fin. On ne sait pas encore qui c'est qui va être européen, finalement. Donc... voilà, Servette monte, c'était le plus important et c'est le plus compliqué. Après, maintenant, tout est ouvert. Il y a aussi une question de tarif des places. Hein, parce que moi, je trouve intéressant ces opérations stade plein. Justement, on va en parler du tarif des places. Mais avant cela, je vais quand même donner, si vous permettez, pour conclure le chapitre Servette, si j'ose dire. Je vais leur donner un petit coup de pouce quand même. Je vais quand même rappeler que Servette a déjà lancé sa campagne d'abonnement pour la saison prochaine. Et il y a des réductions jusqu'à dimanche prochain. Alors, c'est peut-être le moment d'en profiter. Alors voilà, maintenant, je vous parle. On va parler de la Coupe de Suisse, du public de la Coupe de Suisse. Puisqu'il n'était que, selon moi, 20 500 du côté du Stade de Suisse pour la finale de ce week-end entre Bâle et Thun. Bon, vous me direz que peut-être ça ne valait pas beaucoup plus, je ne sais pas. Mais moi, ça m'interpelle quand même de voir une finale de coupe avec à peine 20 000 personnes. Moi, j'ai suivi cette finale. Et puis, il paraît que la place la moins chère, c'est 50 francs suisses. Oui, c'est 50 vrai. Et 120 francs. C'est vrai. Les places. Alors, le football, c'est un sport populaire, excusez-moi. Et surtout la finale de la Coupe Suisse. Si vous l'amenez vos enfants, votre femme au stade, 4 fois de 50, ça fait 200 francs. On veut boire une limonade, quelque chose. C'est trop cher. C'est ça. Il vaut mieux avoir un stade plein avec un prix légèrement inférieur qu'avoir un stade à moitié vide avec des tarifs. Le FC Thun avait quelque chose comme 12 000 places à disposition, ils n'en ont retiré que 7 000. La preuve que les prix ont été. Les prix étaient très chers, effectivement, et je pense que pour une finale de Coupe de Suisse, c'est une fête. Alors déjà, je pense que moi, je suis habitué à ces finales un lundi. Et ça, je pense que ça, c'est quand même quelque chose. Le fameux lundi où il y a la finale de la Coupe Suisse, ça reste quelque chose. Moi, j'ai vécu des moments magiques, voilà, des finales de Coupe Suisse. Moi aussi sur le terrain. Oui, sur le terrain. Moi aussi sur le banc. Moi dans tribune, avec des joueurs sur le terrain. La finale, c'est vrai. Je payais ma place. Non, mais c'est vrai que la politique tarifaire est, à mon avis, abusive. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un trop-plein, finalement, depuis quelque temps? Maintenant, on ne voit plus que IB, Bâle. Non, mais en l'occurrence, dans ce match-là, c'est le FC Thun. Ils n'ont plus été en finale depuis 1955. Et l'engouement, il devait être là. Et c'est incompréhensible qu'il y ait eu aussi peu de fans mais de c'est quand même ce pas stade. Thun qui ramène un maximum de spectateurs. Mais est-ce que les supporters bernois seraient venus voir un bal sur les supporters de Bâle ont rempli le stade. Quoi. Ouais. Enfin, toujours est-il que cette Coupe de Suisse, elle a perdu un petit peu de son éclat, à mon sens, quand même, ces dernières saisons. Alors, on peut se poser une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser la formule de cette Coupe de Suisse pour intéresser un maximum de monde? Alors, je vous en parle parce que vous le savez, ce week-end, il y a eu l'Assemblée de l'ASF. Il y a eu un changement à la tête du football suisse avec l'élection du Vaudois Dominique Blanc à la présidence de l'ASF. Je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu. Comme ça, sans plus. Ouais, on ne connaît peu, pas oui, un petit oui, peu, sans plus. Voilà. Bon, on sait qu'il a été arbitre, inspecteur, instructeur. Il préside à l'association vaudoise avant de devenir président de la Ligue amateur en 2015. Le voici donc, c'est un homme du Serail. C'est donc maintenant le nouveau président de l'ASF. Et il avait, si je vous en parle, c'est parce que lors de cette assemblée, il avait parmi ses opposants un certain Jean-François Collet, président à l'époque du Lausanne Sport, qui est arrivé avec une idée révolutionnaire pour la Coupe de Suisse, qui était d'intéresser tous les clubs de la Coupe de Suisse et non pas seulement une élite lors du premier tour de la compétition. Alors ma question elle est simple, est-ce que cette Coupe de Suisse, pour la rendre plus attractive, a besoin d'être ouverte à tout le monde? Est-ce qu'il faut changer quelque chose dans l'organisation même de la compétition?
Moi, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'une coupe qui est ouverte à tous. On le voit en France souvent, avec ces petites équipes qui déchaînent des passions puis qui arrivent à jouer des finales. Donc oui, pour moi, il y a en tout cas un modus à revoir. Et puis le fait de faire rentrer tout le monde, je pense que c'est, pour moi, c'est une bonne solution. Mais moi, je suis surpris de la question, parce que moi, je pensais qu'elle était ouverte non, à tous. Ouais, moi aussi. Non, non, non. Je ne sais pas, j'ai posé la là, question, parce que je me dis, mais celui-là, il n'est pas au courant. Non, mais je ne sais pas si. Il n'y a que 64 équipes. Je ne sais pas si on vous l'a montré avant. Je n'étais pas très attentif. Ouais. Je vais être franc. Est-ce que nous avons déjà montré le titre du tweet du matin qui a paru? On va peut-être le remettre quand même et vous aurez toutes les informations. Parce qu'aujourd'hui, il y a 1200 clubs suisses qui pourraient participer à cette Coupe de Suisse. Et regardez, il n'y en a que 64 actuellement. C'est vrai que. Mais depuis quand? Ça fait depuis toujours, en fait, il y a des qualifications. Il faut déjà finir à un certain rang. C'est-à-dire que les premières ligues sont incluses. Les deuxièmes ligues inter doivent faire une finale. Finalement, il y a une espèce de coupe. Troisième ligue, quatrième ligue ne joue non, pas. Non, troisième ligue, quatrième ligue, cinquième ligue n'y arrive pas. Alors justement, besoin d'lifting. Donc là, Jean-François Collet, il a vu juste. Jurassienne, il y a quelques années, l'année passée. Donc il y a un titre honorifique, équipe la plus fair play du pays, qui était rentrée dans cette coupe suisse et qui avait joué Neuchâtel-Xamax. Ils avaient perdu que 21-0, je crois. Mais la Coupe de Suisse aujourd'hui n'est pas une coupe ouverte à tous les clubs de Suisse. Ouais. Parce que moi, quand j'ai vu la proposition de Jean-François Collet, je me suis dit, bon, là, il cherche à obtenir les voix des petits clubs. Ouais. Évidemment, pour l'élection à l'ASF, c'était peut-être purement électoral, mais finalement, quand on y réfléchit un peu plus, c'est vrai que sa proposition, elle n'est pas mauvaise. Moi, je suis surpris que ce n'est pas un Suisse allemand qui est président, non? Je suis surpris quand même. Que ce soit un roman qui passe. Bizarre. Très bien. Il y a une évolution. Une évolution. Peter Gérant. Il était quand même président des ligues amateurs qui compte pour 47 voix sur la votation. Donc il avait déjà au départ de grandes chances d'être élu. Vice-président également déjà de l'ASF. Oui. Voilà donc pour la nomination de Dominique Blanc. Ben voilà, la Coupe de Suisse, ça sera peut-être un dossier à réouvrir dans le cadre d'un futur match après match, en tout cas à rouvrir par les instances dirigeantes. Une compétition justement peut-être un petit peu trop noyée au milieu de toutes les autres compétitions. Allez, place maintenant à la Challenge League. Quelle saison. En Challenge League, Arrow était lanterne rouge après 11 journées avec 4 points, soit 16 points de retard sur Lausanne. Et puis à 2 journées de la fin, c'est désormais Arrow qui compte 1 point d'avance sur les Vaudois. Il reste 6 points en jeu et ça reste bien sûr théorique, mais il y a 2 victoires quand même qui se dessinent dans les deux camps. Ça veut dire que l'on campe, que si l'on campe sur les positions, Lausanne va rater son objectif. Réaction, on commence avec vous Vincent. Ce serait un désastre. Tout simplement, avec les moyens qui ont été investis avec ce club, avec le nouveau stade qui va arriver. C'était annoncé dès le début de saison que la LS voulait remonter en Super League. Et le fait de ne pas y arriver, ben c'est un désastre. D'un autre côté, on doit quand même tirer un grand coup de chapeau à Arrow qui fait une fin de saison incroyable. Sur les 23 derniers matchs, ils ont une défaite. Avec des résultats comme ça, et ben, c'est sûr qu'ils sont tombés sur un os du côté du LS. Quoi. Nestor, on a le sentiment pourtant qu'à Lausanne, on s'était donné les moyens, de, en tout cas déjà, d'assurer les barrages avant une éventuelle promotion. On n'y est pas encore en barrage. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Très loin même. L'état d'esprit qui est affiché, c'est n'importe quoi à Lausanne. Sincèrement, moi, j'y habite, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Je connais bien le club, je sais comment ça marche. Et moi, sincèrement, il n'y a qu'une personne que je responsabiliserais. Il est en photo, là, d'ailleurs. C'est le manager général qui, à mon avis, n'est pas à sa place. C'est un bon formateur, ça, oui. Mais il faut avoir de l'expérience dans ces choses-là. Quand on a autant d'argent que Ineos et on est capable d'aller chercher quelqu'un qui vient du monde amateur, déjà, il part avec beaucoup de difficultés. Hein. Bon, non, on a Young Boys, et c'est Spicher, hein. Hein, Vucho Spicher. À FC Zurich, c'est Thomas Bickel. À Saint-Gall, c'est. Alain Souter. Alain Souter, bien sûr. Alain. C'est des gens qui ont un bagage, qui emmènent quelque chose depuis toujours, qui ont un réseau international. Tout ce que lui, il n'a pas. Alors, bon, là, attaque donc, frontale moi, contre Pablo Iglesias. Complètement. Complètement. Non, je pense qu'il faut, faut être plus. Alors, complètement. Il faut être plus nuancé, je pense, en général. S'il y a des fautes, c'est lui qui a les clés Il n'y a pas que lui. Voilà. Il n'y a pas que lui. Et je pense qu'une politique générale de club, c'est une politique générale. C'est bien pour ça qu'elle est générale. Pablo est le directeur sportif. Oui. Certes, il y a un entraîneur, il y a des joueurs. On est à Rau, une seule défaite dans les 23 derniers matchs. Lausanne, 15 matchs nuls. Hein. C'est 2 fois plus que à Rau et Servette. Même à Rau et Servette réunis n'arrivent pas au même nombre de matchs nuls. Donc le résultat sur le terrain, c'est les joueurs. Je pense qu'à un moment donné... Il y a des fautes en haut, c'est clair. Mais à un moment donné, on est encore aujourd'hui, il reste 2 matchs.
Ils n'ont malheureusement plus leur destin entre les mains. Ça, c'est une réalité. Mais dans le football, il reste 180 minutes, on ne sait jamais. Maintenant, si Lausanne échoue, et ça, je suis d'accord, c'est une catastrophe parce que ce n'était pas du tout l'objectif de Lausanne Sport, il faudra prendre des décisions, je pense. Et là, chaque personne devra faire son autocritique. Et évidemment, tout le monde a certainement des choses à reprocher, mais je pense que c'est général. Ce n'est pas qu'une personne en particulier seulement. C'est général. Oui, mais c'est... Ben là, moi, je tire un grand coup de chapeau aux dirigeants d'Arro qui ont gardé leur entraîneur malgré un début de saison catastrophique. Quoi. Donc, ils ont senti que l'entraîneur travaillait bien, que malheureusement, les résultats ne sont peut-être pas là encore, mais que ça va venir. Et chapeau aux dirigeants de FC Arro qui ont gardé l'entraîneur. Quoi. Ouais. On va pas... Oui. Allez-y, Nestor. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que un club, il se gère d'en haut. Non ? Et que si on met quelqu'un qui n'est pas à sa place, il va faire éclater cet arbre. Si lui, il prend les décisions, c'est Iglesias qui prend les décisions de l'entraîneur. C'est lui qui prend les décisions pour les joueurs. Donc le responsable, pour moi, c'est lui. C'est pas Contini. Contini, il a son football et c'est sûrement pas lui qui allait chercher les joueurs. Non, mais c'est pas lui qui allait chercher les joueurs. C'est lui. Il peut y avoir des interférences dans le travail d'un sportif, disons. C'est ce que je veux dire. Tout ce que je veux dire, c'est que Ineos, réveillez-vous. Alors, vous avez quelqu'un qui n'a pas les capacités pour ça. C'est un très bon, je pense qu'il très a été bon peut-être, formateur. Peut-être, mais c'est pas mon avis, un directeur un peu mal entouré. C'est tout. Voilà. Après, s'il est mal entouré, aujourd'hui, il est tout seul. Je pense qu'il est tout seul. Non, mais le chantier qu'il avait en arrivant au LS, c'était un chantier énorme. Et personne, à mon avis, je pense que quand on met une structure comme ça en place et qu'on a des objectifs qu'à Ineos, on ne met pas qu'un seul directeur sportif tout seul là au milieu. Peut-être aussi, il faut une cellule de recrutement vraiment concurrentiel, qui a à peine été mis en place, je crois que c'est Léo Tur qui en a la charge, mais c'est tout nouveau. Je veux dire, aujourd'hui, on a voulu faire du Lausanne Sport un club déjà de Super League, on a voulu faire ça, quand malheureusement, il y a un championnat à jouer, et je pense que Pablo n'est pas le seul, vraiment pas du tout le seul responsable. Je suis très critique avec le football en général, mais je sais aussi une chose, c'est qu'on est là, il reste deux matchs. Et c'est pas fait. Il se peut que Lausanne monte, fasse les barrages, et monte en Super League, et puis on sera là à dire... Voilà, il a fait son taf. Donc il faut être très, très mesuré. Vous entendez, j'ai l'impression qu'il y a un problème structurel. Lorenzo Falbo, vous en tant qu'agent de joueur, aujourd'hui, vous placez des joueurs à Lausanne ? Vous aimeriez encore placer des joueurs à Lausanne ? J'ai des joueurs à Lausanne Sport actuellement. J'ai pas eu de joueurs cette année. Mais aujourd'hui, le problème, il va venir effectivement l'année qui vient. Si j'ai des joueurs qui correspondent au profil du Lausanne Sport pour la Challenge League, s'ils sont Challenge League, bien évidemment que je me ferai un plaisir. S'ils sont en Super League, la même chose. Le problème, je pense que c'est vraiment quand on veut monter une grosse structure, il faut avoir des gens partout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser finalement tout sur la tête d'une personne, et c'est malheureusement peut-être le cas. C'est moi ce et que puis, je veux. Peut-être de taper que seulement sur Pablo, mais c'est de nouveau. Ah non, tout le monde tape sur l'entraîneur qu'il faut, tout le temps. L'entraîneur, alors, c'est lui qui que tout le monde a été choisi par ses responsabilités. Alors, maintenant, c'est pas fini. C'est ce que j'allais dire. Finalement, Giorgio Contini, c'est vrai que ça a été un petit peu le premier qu'on a montré du doigt, et également dans le cadre de cette émission, on va pas le cacher, dans le cadre de nos différents studios. Giorgio Contini n'a pas réussi aujourd'hui, sans doute, à donner un style de jeu à Lausanne. Il n'y a pas la patte Lausanne comme on peut le voir justement du côté de Servette. Bon, alors, les joueurs sont partis. Non, mais c'est beaucoup les joueurs qui sont sur le terrain. Il y a eu des mauvais choix, il y a eu des parcours difficiles, surtout sur le plan offensif. Il y a eu de gros problèmes avec Marjota. On a recruté. Il y avait Simon Erap qui a finalement été prêté à Saint-Gall parce que ça ne fonctionnait pas du tout. Il y a eu quelques arrivées. Il y a eu Koura. Il y a Oliveira qui est un jeune et qui essaye et qui a fait quelques bons matchs, plus compliqués. Voilà, mais le problème, il a été offensif. Roman Bouès qui est arrivé de Saint-Gall, qui devait amener son expérience au vestiaire. Alors, ce n'est pas un immense buteur de Super League, mais quand même, c'est un joueur qui a joué pas mal dans le foot suisse, qui a de l'expérience. Il devait amener ça. Alors, il a été blessé. Ça n'a pas été évident, mais. Quoi qu'il en soit, offensivement, il y a eu beaucoup de problèmes du côté du LS. Offensif et défensif. Juste un mot. Moi, je suis toujours surpris par le football moderne maintenant. On dit que c'est le directeur sportif qui fait le recrutement, ou bien c'est celui-là qui fait le recrutement. Pour moi, celui-là qui doit faire le recrutement, c'est l'entraîneur qui doit dire je veux celui-là ou je ne veux pas. Alors, il y a eu pourquoi trois joueurs. Pourquoi Guardiola, il demande l'avis du directeur sportif. Enfin, non, il demande l'avis, mais c'est lui qui décide. C'est une collaboration. Et je pense que peut-être il y a peut-être pas une grosse collaboration. Le dernier mot, c'est l'entraîneur qui doit l'avoir. Pas le directeur sportif. Parce que si l'entraîneur veut mettre une tactique en place, on a discuté tout à l'heure avec Nestor, moi, les avant-centres qui sont devant le but, je ne les avais pas. Moi, je voulais des avant-centres qui bougent, qui reviennent derrière. Donc, si on m'avait imposé un avant-centre comme ça, on me l'a des fois essayé d'imposer, mais je vous refusais. C'est l'entraîneur qui aura le dernier mot. Et Guardiola, je pense,
de là, parce que c'est mon exemple. Mais qui n'est pas un entraîneur, qui est un manager, en fait, aujourd'hui. Non, c'est un entraîneur. Mais bon, c'est un entraîneur-manager. Oui, attendez, c'est vrai que c'est comme ça. Partout il passe, quand on voit jouer l'équipe, on dit c'est quoi de là. Mais il a son mot à dire, effectivement. Mais il a son mot à dire. Il y a trois joueurs qui ont été recrutés, alors, à la demande de Giorgio Contini, c'est Kukuruzovic, Bouès et Nganga. Okay. Donc il y a quand même eu des choix qui ont été faits en commun entre, alors de ce que je sais, hein, entre l'entraîneur et le directeur. Vous avez passé un joueur à Lausanne, aujourd'hui vous discutez avec qui ? Contini ou avec Iglesias ? C'est évidemment le directeur sportif, puisque, alors moi, déjà par principe, je ne discute pas directement avec les entraîneurs. C'est pas le rôle d'un agent de parler à un entraîneur. C'est vous et le directeur sportif qu'on doit virer. Non, c'est pas ce que je dis. Quand on a une discussion pour un joueur, c'est le directeur sportif qui prend la discussion en main. Après, à lui de faire son job dans le club et de dire, voilà, on a ces profils-là. Il va vers l'entraîneur. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être un problème de structuration générale. Mettons parce que quelqu'un d'expérience à Lausanne et ça va marcher. Justement, quelqu'un d'expérience à ce poste-là. Je sais pas. Parce que même un entraîneur, c'est mon avis. Hein. Dites-moi un nom. Je sais pas. Par exemple, Freddy Bickel, tiens. Freddy Bickel, qui a fait un super travail à UFC Zurich. Je pensais que vous alliez dire Gilbert Gress. Comme entraîneur. Mais après, je pense qu'il y a aussi des choix partagés. Ça, c'est mon avis. Et sur le terrain, les joueurs n'ont pas fait le taf. Mais les problèmes ne sont pas arrivés. Peut-être retourner un petit peu plus en arrière. En fait, c'est depuis le départ de Celestini. Oui. Tout le monde axe sa critique un petit peu sur Contini. Mais avant, il y a eu de l'avant Contini aussi. Mais sa décision de virer Celestini, OK. Mais il prend entraîneur des moins de 21 pour sauver l'équipe alors qu'il restait 6 matchs. C'est sa première grosse erreur à Iglesias. Et il a donné aucune chance à Lausanne de se maintenir. On le sait tous. Dans ce genre de situation, s'il ne fait pas le changement... Il faut des gars comme... Voilà. Mais s'il ne fait pas le changement... Il devait choisir des entraîneurs comme Gilbert. Ben bien sûr. Un entraîneur avec de la niaque qui met un coup de pied dans la fourmilière. Moi, je suis toujours surpris. C'est les directeurs sportifs qui choisissent les joueurs. Et quand ça ne marche pas, qui est viré ? C'est pas les directeurs exactement. Sportifs. C'est l'entraîneur qui est viré. Alors moi, je n'ai jamais accepté qu'on m'impose un joueur. On discutait avec Franck. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'on discute. Évidemment qu'on discute. Non, mais je pense qu'il y a des discussions à avoir et c'est normal. Exactement. Mais le dernier mot, c'est l'entraîneur qui doit l'avoir. Parce que si ça ne marche pas, au moins... J'ai toujours dit qu'il faut mourir, c'est avec ses propres idées, c'est pas avec les idées des autres. En tout cas, ce qu'il faut faire, il va falloir faire, c'est si Lausanne n'arrive pas à jouer les barrages, il y aura une autocritique générale de chaque personne, que ça soit Contini, que ça soit Pablo, que ça soit les dirigeants dessus, pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a certainement beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. De toute façon, il y aura du mouvement si le LS monte pas. Mais ça, je pense qu'on est encore. Au niveau des joueurs, il reste deux matchs. L'entraîneur, moi, je dirais qu'il reste deux matchs. De la structure. Voilà, je suis Lausanne de cœur comme toi. Moi aussi, mais c'est pour ça que j'ai encore le petit espoir, même si ça va être très compliqué, parce que malheureusement, il reste deux matchs. Il y a 6 points, il n'y en a plus deux. Mais on a quand même ce petit espoir. Voilà, on a vu ce qui s'est passé en Champions League, le football. Heureusement, franchement, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Mais je vous rappelle quand même que lundi prochain, si dans le futur match après match qui vous sera présenté par Elodie Croza, Lausanne est en barrage. Et puis dans 3 semaines, Lausanne peut être en Super League. On va tous passer pour des... Il faut être mesuré. Je pense qu'aujourd'hui... Si c'est comme ça, mais ça ne me changera pas l'opinion. Je ne pense pas qu'il a sa place. C'est un formateur qui est allé à la formation. Chef de formation à Lausanne, aucun problème. Mais manager, non. Il faut quelqu'un d'expérience. Se retrouver, et c'est sans spéculer sur ce qui peut se passer, de se retrouver dans cette situation actuellement à 2 journées de la fin, avec un point de moins qu'Aro, c'est déjà plus ou moins un échec en soi. Oui. De jouer Chafouz alors que Aro fait match nul et de faire 0-0, c'est un échec. Oui, mais là, ce genre de match, c'est des tournants qui sont toujours partis probablement par rapport à Lausanne. Mais vous carrément, il y a l'entraîneur, monsieur. Il y a l'espoir. À un moment donné, sur le terrain, c'est qui est ? Mais c'est les joueurs. Donc à un moment, le 0-0, Pablo, il ne peut rien faire. Contini, il ne peut qu'éventuellement faire quelques changements pour changer le truc. Mais les joueurs qui sont sur le terrain, ils ont une responsabilité. Je veux dire, aujourd'hui, moi, ce qui souvent... Voilà, je viens de vivre aussi une descente avec le club de Gironde où j'avais un joueur. Gironde, c'est 9 défaites sur les 10 derniers matchs. Hein, c'est incroyable. Ils étaient bien à un moment. Ils étaient très bien. Le football, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Les joueurs n'ont malheureusement pas su gérer. Je pense que là, à mon avis, il y a vraiment une autocritique de chaque joueur qui va devoir se faire. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas donné ce qu'ils devaient donner. Et contre Chafou, je m'excuse, mais faire 0-0 contre Chafou, ce n'est pas Contini, ce n'est pas Pablo. Je veux pas c'est les joueurs. Je ne veux pas décevoir l'agent de joueurs, mais des joueurs qui font leur autocritique, j'en connais pas beaucoup. Pas beaucoup, malheureusement, mais je pense qu'ils doivent le faire. Parce qu'à un moment donné, faire 0-0 contre Chafou, quand on sait, en plus, qu'on a les infos, ils savent qu'ils sont pas que Haro est en train de se prendre les pieds dans le tapis, je veux dire, on doit avoir une fierté, un orgueil, sentir le maillot.
Enfin, je veux dire, nous, on a. Je pense qu'un Nestor. Alors, Suisse, il faisait pas d'autre. Je pense qu'un Nestor, dans cette situation, il serait défoncé. Non, mais je pense qu'un Nestor, dans une situation pareille, il se serait défoncé. Mais parce que. Aujourd'hui, on a l'impression que. La mentalité, c'est important. Il y a quelque chose mentalement qui est peut-être pas là. Et puis mentalement, aujourd'hui, on sait que c'est les joueurs de football, 70%, c'est mental. Quand ça ne tourne pas rond, il faut quand même un petit peu réagir. Est-ce que finalement, en revenant, par exemple, sur Pablo Iglesias, est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop gentil? Est-ce que, même si le club jouait quand même les premiers rôles, être troisième, c'est quand même jouer les premiers rôles. Même en étant aussi bien classé, il ne fallait pas se montrer, peut-être prendre des décisions dites impopulaires. Quoi. Mais à aucun moment, la promotion, elle était toujours envisageable. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours encore au contact et elle est encore aujourd'hui. C'est ça. Il n'y a aucun moment où ils ont été quatrième, où vraiment ils étaient en train de plonger. Ils ont fait des séries de très mauvais résultats, mais ils restaient toujours au contact de Servette, toujours au contact de la deuxième place. Ou même de la première par moment. Hein. Je veux dire, si dans un monde parallèle, s'ils gagnent à Genève l'autre jour et que Haro, voilà, tout est possible. Ils auraient presque même pu finir premier encore. Donc, disons que le changement, il aurait dû intervenir, c'était à la trêve. Voilà, si vraiment il aurait dû avoir un changement. Mais à la trêve, c'est compliqué. C'était compliqué. Voilà. Donc après, ça devient de plus en plus compliqué. Puis plus on va en avant. Et je pense que l'expérience de l'année passée, effectivement, cette mauvaise expérience peut-être de la saison passée, pèse aussi dans la décision aujourd'hui. De changer l'entraîneur maintenant, vous savez, il y a peut-être cette décision qui pèse. On parle du populaire. C'est pas ça qui compte, c'est l'efficacité qui compte. Et Nestor, on a parlé tout à l'heure, quand je suis revenu à Strasbourg, début des années 90, il y avait deux avancants de Mounsuk et puis Nestor. Mm-hmm. Et moi, en revenant, j'ai dit, il faut surtout garder Nestor et pas l'autre avancante. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les dirigeants, avant que je revienne d'ailleurs, Nestor est parti et l'autre est resté. Et c'est une erreur, quoi. Parce que l'autre est plus populaire, c'est ce qu'on m'a dit. L'autre est plus populaire, paraît-il. Mais Nestor est trois fois plus efficace. C'est pas si Contini est très populaire. Allez, en BCL, prochain jour. Il sera peut-être populaire dans deux matchs. Il le sera peut-être, effectivement, et peut-être même encore la saison prochaine. Avec Pablo Iglesias, aux commandes techniques du club. Voilà. La prochaine journée, ce sera jeudi. Kriens Lausanne et Kiasso Haro. Évidemment que du côté de Lausanne, on espère un faux pas à l'occasion de ce match entre Kiasso et Haro. Du coup, le match sera à suivre en direct sur Téléclub Zoom. Haro, le retour, pour la petite histoire, ça fait 14 journées que Kiasso est lanterne rouge et ce sont les Argoviens qui pointent en deuxième position de ce classement pas très glorieux puisqu'ils avaient été derniers pendant 10 journées en tout début de championnat. Alors évidemment maintenant les temps changent. Haro c'est 13 points notamment sur les 5 derniers matchs, dont cette victoire peut-être décisive contre Lausanne justement 3-0 et toutes les statistiques du match entre parenthèses étaient en faveur des Argoviens. Haro c'est une équipe qui a le format pour jouer dans l'élite. Oui. Plus que Lausanne. Oui, parce qu'ils ont été. Alors, ils ont été chercher des joueurs intéressants. Ils ont pris Neumayer, qui est vraiment un super joueur pour la Challenge League. C'est exceptionnel. Ils sont solides. Je pense qu'ils sont loupés en début de championnat. Mais voilà, 23 matchs, une défaite. Et dans ces 23 matchs, ils ont battu Servette et Lausanne. Donc oui, ils ont aujourd'hui une légitimité. Maintenant, c'est clair qu'en Super League, on l'a vu cette année nous avec Saint-Max. L'équipe de Challenge ne suffit pas. Il faut des renforts, c'est clair et net. Eh bien, on va rester là pour ce duel à distance entre le Lausanne Sport et le FC Haro. Donc, en fait, il faut souhaiter, côté vaudois, que Haro perde un point, fasse un nul et que les Lausannois empochent la totalité des points d'ici la fin de cette saison pour pouvoir disputer les barrages. Voilà, on fait une pause et on revient tout de suite pour la suite de ce match après match. Toute la Raiffeisen Super League, c'est seulement sur Téléclub Sport. Dans la dernière ligne droite, il ne faut rien lâcher, surtout pour les places européennes. Ne manquez rien de l'avant-dernière journée, mercredi dès 19h30, en direct sur Téléclub Sport. La Raiffeisen Super League sur Téléclub. Présenté par Raiffeisen et Blic. La finale de l'UEFA Champions League, c'est sur Téléclub Zoom. Terminez la saison en beauté avec l'affiche 100% anglaise, Tottenham-Liverpool. Vivez ce grand événement en direct avec un dispositif spécial à Madrid, analyse, interview et invités spéciaux. Ne manquez rien de cette finale. Tottenham-Liverpool, c'est le samedi 1er juin dès 20h, en direct et gratuitement sur Téléclub Zoom, sur Swisscom TV ou sur téléclubzoom.ch. Le direct de l'UEFA Champions League vous est présenté par Heineken et Pepsi. Sponsor officiel de l'UEFA Champions League.
Retour sur notre plateau de match après match. À ma droite, Lorenzo Falbo et Gilbert Gress. À ma gauche, Nestor Soubiat et Vincent Rigolet. Il est grand temps d'aborder la partie internationale de cette émission. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps donnée par notre coupeur de citron. Hey, cette semaine, il n'y avait pas de coupe européenne. Mais il s'est quand même passé des choses. On a appris que Maradona n'ira finalement pas au Festival de Cannes. Je pense qu'il avait compris à la base que c'était pour le Festival de Cannes. Benfica est champion du Portugal et Seferovic a fini meilleur buteur de la saison. Ah, le mec qui a parié ça, il est devenu millionnaire. Pas que Benfica finisse champion, hein. Manchester City a remporté la Coupe d'Angleterre 1-7-0 face à Watford. Vincent Kompany a déclaré à la fin du match que City avait la meilleure équipe du monde. Oui. Ils ont plus qu'à gagner la Ligue des Champions dans 2 semaines et... Ah, ben non. Le FC Bâle a remporté la finale de la Coupe Suisse devant 20 500 spectateurs. Même en finale, le stade n'est pas plein, c'est quand même triste. Bâle a donc ramené sa 13e Coupe de Suisse à la maison et ils sont maintenant égalité avec le FC Sion. Mais encore loin derrière grâce aux Pères Zurich qui en totalisent 19. Ouais, c'est tout ce qui leur reste aux Zurich, ouais. Leur histoire et les yeux pour pleurer. Mercredi, Derby County s'est imposé en demi-finale pour la promotion en Première Ligue anglaise. Pour fêter ça, les joueurs sont allés boire des coups dans un bar de la ville. C'est leur coach, Frank Lampard, qui a payé l'addition sur laquelle il y avait 209 bières. Et ils en font un article ? En 5e ligue, ça arrive tous les week-ends. Je confirme, effectivement. Et pas forcément en 5e ligue, n'est-ce pas, Nestor ? Voilà, bah, et puis on va peut-être compléter les propos de Jérémy Croza en vous rappelant quand même que la plupart des grands championnats sont terminés à part deux, l'Italie et la France. Bon, on connaît déjà les noms des 5 champions. Y a-t-il des surprises ? Bah, allez, on vous rappelle simplement les noms des champions. Regardez entre 2017-18 et 18-19. Bah, y a qu'un seul champion qui a changé, c'est en première ligue avec... Non. Ah non, même pas. En fait, il n'y en a aucun, je vous dis même une bêtise. En fait, bah, vous voyez, aucun changement. Alors, faut-il y voir là, messieurs, les effets financiers, par exemple, d'une Ligue des champions qui ne fait que renforcer le pouvoir des meilleurs ? Vincent. Oh, waouh ! Ça, c'est la question. Alors, c'est une bonne question. Bon, Nestor. Non, mais alors, on peut prendre un exemple précis. On va parler de la Première Ligue. Voilà. Parlons de la Première Ligue. Man City, ils n'ont pas été spécialement loin en Ligue des Champions l'année passée. Liverpool était en finale. Et puis là, Liverpool a fini deuxième. Man City a fini premier de nouveau. Alors, pour moi, c'est une catastrophe. Mais Liverpool n'a perdu qu'un match sur la saison et ils finissent deuxième. Pour vous dire. Donc, voilà. La Première Ligue, ça reste un championnat qui est quand même plus ou moins serré. Là, il y a plus que, on a l'impression que cette saison, il n'y avait que 2 équipes, mais chaque année, il y a différents concurrents, différents candidats. En tout cas, dans le top 4, c'est toujours plus ou moins serré. Cette saison, c'est un peu particulier. C'est vrai que si on regarde la liste de tous les champions de cette saison européenne, il y a franchement peu de vraies surprises. C'est pas un peu préoccupant. Vous voulez dire que c'est l'argent qui fait quand même écoutez, dans le football savez, aujourd'hui, moi, à part l'argent... Avec Zamax, quand j'ai la Coupe d'Europe, j'étais dans cette situation d'avoir moins d'argent que les autres. Alors j'ai toujours dit qu'il faut avoir plus d'imagination que les autres. Et ça, on l'avait souvent quand même. Mais c'est vrai que sur un championnat, c'est finalement... Et c'est triste à dire que c'est le fric qui est devant, quoi. C'est ça qui est dommage. Les favoris sont là, et puis de nouveau... Et les grands joueurs. Manchester City, cette année, font une belle saison, mais Liverpool... On l'oublie, effectivement, 1 point de retard. Mmh. Et avec le nombre de points qu'ont Liverpool sur les 6 dernières saisons, ils auraient été champions. Bien sûr. Voilà, donc la Première Ligue, un petit peu cas à part. En Espagne, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de voilà, le Barça s'est un peu baladé. En France, on n'en parle pas. En Allemagne, il y a eu quand même une bataille entre le Bayern et Borussia. Voilà, mais c'est évident que les gros clubs sont devant. De ces 5 grands championnats, d'après vous, quel est le meilleur, qualitativement parlant ? Qualitativement, bah, je pense que le plus beau en tout cas cette année, encore une fois, l'Angleterre. Qui joue la finale. Les Anglais, il faut le dire. Les Anglais, les Espagnols, le Barcelone. Mais il faut dire que là, c'est vraiment les Anglais. Et en plus, c'est leur moment. J'ai dit souvent, on demande trop aux joueurs, les joueurs sont fatigués en fin de saison. Mais qui a joué le plus de matchs ? C'est les Anglais. Même Noël, Nouvel An, ils jouent. Et là, ils sont en finale. Ils ont un championnat qui est magnifique et puis vraiment qui a été compétitif au bout du suspense. Tous les week-ends, des grands matchs. Bah, écoutez, mais en tout cas, étrangers maintenant aussi. Hein. C'est pas le kick and rush comme il y a encore une vingtaine d'années. C'est quand même la plupart des équipes jouent au football. Tout cas, une chose est certaine. L'Espagne qui a bien dominé l'Europe depuis le milieu des années 2000 avec le Real et Barcelone a été sèchement giflée cette année. Les 4 clubs finalistes européens sont donc britanniques cette saison. En Europa League, Valence est tombé en demi-finale, tout comme Barcelone en Ligue des Champions. Ça a du mal à passer quand même en Espagne, vous pourrez peut-être nous le confirmer tout à l'heure. Ben, on va développer ça tout de suite. –
Alors Nestor Soubiat, les finales cette saison, c'est Tottenham-Liverpool. En Ligue des Champions, c'est Chelsea-Arsenal en Europa League. Mais ils sont où les clubs espagnols? Ils sont à la maison. Barcelone s'est bien battu hein, jusqu'à la fin, mais bon, ils en ont pris 4. Ah, au revoir. C'est le moment des Anglais. Ils sont à leur malgré place, ce football. Ils sont à leur place. Oui, peut-être. Ouais. Ils sont à leur peut-être, place. Mais il y a un côté anomalie quand même, hein, de cette finale Ligue des Champions. Enfin, de retrouver Tottenham et Liverpool, c'est un peu une anomalie après les matchs allés des demi-finales. Moi, je trouve surtout Tottenham. Oui, mais de nouveau, un match, on en revient à la même chose. Un match est un match. Après, il y a 90 minutes à jouer. Ouais, et autant le Barça n'a pas su les maîtriser. Enfin, c'est 90 minutes. Je veux dire, ceux qui ont vu le match. Alors, je m'excuse, mais Messi a été inexistant. Je crois que sur le match, c'est 35 pages. Inexistant, il avait une occasion en or. Il a eu et il a mis 3 balles de but à Coutinho, Suárez et Alba. Mais il était en Alba. Dessous. Il était en dessous. Moi qui ai vu le Barça cette année jouer plusieurs fois au Camp Nou, quand il est pas en dessous. Mais quand il brille pas, ils sont cuits. Ouais, mais je pense qu'on peut pas baser une équipe que sur Messi. Aujourd'hui malheureusement, voilà, Messi, ben il a passé à travers, c'est clair. Mais Jordi Alba est passé à travers. La défense centrale était catastrophique. Je pense que voilà, le Barça Busquets a joué un mauvais match. C'est peut-être leur seul mauvais match. Leur gros mauvais match de saison. Oui. Malheureusement, on est en match retour de Champions League. J'ai bien. Non, je suis moi, j'ai vu cette formation d'équipe avant. On est toujours plus intelligent après qu'avant. Mais moi, excusez-moi, en toute modestie, j'étais plus intelligent avant. Quand j'ai vu que l'entraîneur fait jouer Coutinho contre Liverpool, deux mêmes attaquants ne jouent pas, contre Liverpool, c'est un match d'hommes. Ils savent jouer au football, Liverpool, c'est pas ce que je veux dire. Mais donc, il faut avoir des guerriers en face. Et quand je vois Coutinho, depuis le début de la saison, qui n'arrive même plus à passer son arrière, et que défensivement... Laissez-moi finir. D'un côté, Coutinho qui ne gagne pas un duel défensif, de l'autre côté, Messi, s'il ne marque pas deux... Et tu sais que je suis amoureux de Messi, mais s'il ne marque pas deux buts par match, l'équipe de Barcelone joue à 10, et puis Suarez au milieu... Il fait semblant, voilà. Alors comme ça, on peut pas. Après, c'est vrai que derrière aussi, évidemment, ils ont mal joué, c'est vrai. Suarez 4 ans sans marquer à l'extérieur en Champions League. Oui, mais justement, c'est pas normal. Le problème de Barcelone, c'est peut-être qu'ils sont trop reposés sur Messi, parce que Messi effectivement est un joueur hors norme. Mais malheureusement, on ne peut pas reposer une équipe sur un seul joueur. On parle de Coutinho. Coutinho a fait une saison catastrophique. Voilà. Dembélé a fait une saison catastrophique. Mais dans le recrutement, ça n'a pas toujours été autour de Messi. C'est-à-dire qu'on a quand même amené des joueurs qui ont de la qualité. Un Suarez, à l'époque où il vient de Liverpool, il est extraordinaire. Un Coutinho, à l'époque où il vient de Liverpool, c'est un tout grand joueur d'Europe. Il faut pouvoir jouer à côté de Messi. Mais voilà, pas n'importe quel joueur est capable de jouer à côté de Messi. Si. Je plains celui qui est capable de jouer à Messi. C'est Rakitic. Alors, on l'accuse de tous les maux, mais ce pauvre Rakitic... Mais là, sur ce match-là aussi, il a fait un mauvais match. Bien sûr, depuis des années, Rakitic court pour deux. Le tort qu'il a, c'est qu'il joue du côté de Messi. Et comme Messi ne fait aucun travail défensif, le pauvre Rakitic, il court de l'un à l'autre défensivement. Mais c'est son job. Depuis des années. C'est pour ça qu'ils ont pris Vidal. Ben voilà, alors c'est ce que j'allais vous dire là-dessus. Vidal, par exemple. Vidal, c'est typiquement. Ce n'est pas un joueur Barça. Trapattoni dirait coffre-l'air, fini. Il n'y a plus rien dans le voilà, vous voyez par exemple. Vidal, exemple flagrant. Vidal, c'est pas un joueur du tout ADN Barça. Pas vraiment. On est tous d'accord pour le dire. Quand Vidal arrive au Barça, tout le monde est là. Limite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que cette saison, Vidal a été d'une importance fondamentale. Parce qu'il n'a pas l'ADN Barça, mais il apporte quelque chose au Barça que le Barça n'a pas quand il mise tout sur Messi, malheureusement. Excusez-moi, on parle du football espagnol. Quand on voit que Barcelone, c'est plus ce Barcelone qu'on a connu avec Iniesta et Xavi. Et malgré ça, ils ont 19 points d'avance sur le Real de Madrid. Mais c'est incroyable. Oui, ils ont gagné 3 Coupes d'Europe. Chapeau. Et l'Atlético. Mais avec quel... La dernière fois, c'était en 1929. Chance. Ça veut dire 29. À quel point... Oui, puis sur les 10 dernières années, enfin sur les 20 dernières années d'Espagne, c'est 10 titres de champion d'Espagne, c'est 6 Barcelone. Ça, je veux dire, ils sont quand même au top. En championnat, ils ont été au top. Oui, mais en Europe, ils n'arrivent pas. Ouais. Tout à fait. Ils ont eu un match. Ils ont loupé un match. Ouais, voilà, la réalité, c'est qu'ils ont loupé un match. L'année dernière. Ils ont loupé aussi un match. Donc ça fait deux matchs. Aussi. Et ça, ils ont un problème. C'est un problème. Parce que j'aimerais bien en placer une depuis un petit moment. Vous avez quand même chacun un petit peu votre idée sur l'équipe idéale. On a fait quand même quelques investigations et on est arrivé à cette conclusion pour le Barcelone possible de la saison prochaine. Je voudrais avoir votre avis. Alors par exemple, justement, Rakitic, il n'est pas là. C'est dire qu'on n'y compte plus. Oui. Alors, c'est pas mal. Allez, je vous laisse commenter ça. Voilà, la défense, je ne me plaît pas. Toujours pas convaincu par Busquets. L'arrivée de Delich, ce serait une bonne chose à côté de Piqué parce qu'ils ont l'anglais. Moi, je l'ai pas trouvé si performant. Delich, il sort d'une saison incroyable. Il est capitaine de l'Ajax à même pas 20 ans. Enfin, c'est un grand joueur d'avenir.
J'ai un peu peur pour lui, parce que je ne suis pas sûr que ce soit un excellent choix d'aller défenseur central du côté du Barça, où finalement, la plupart de la saison, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais hein, dit à part des passes latérales. Comme titulaire, selon lui. Hein. Hmm il dit lui-même qu'il ne part pas comme titulaire, selon lui. Si, alors selon moi, oui. Bon, on n'a pas les mêmes sources. Voilà. Non, alors moi j'ai aucune source, mais selon moi, c'est un joueur qui peut être titulaire au Barça sans trop de problèmes. Maintenant, j'ai peur qu'à cet âge-là, ce ne soit pas assez formateur d'être défenseur central dans la défense du Barça. Non, moi je pense qu'il a largement démontré qu'il a des qualités. Après, effectivement, il peut être à côté de Piqué, mais on pourra aussi retrouver, parce que Piqué n'a pas été impérial non plus cette saison. Hein, on pourrait peut-être remontrez-nous en régie, remontrez-nous un petit peu cette équipe. Alors, excusez-moi, mais j'ai eu des matchs où je l'ai vu un peu en dedans. Barcelone, ils ont deux Messi, un devant et un derrière, et c'est Piqué dans le championnat. Alors, j'ai vu tous les matchs. Je suis moins convaincu. Exceptionnel. Moi, je suis moins convaincu. C'est juste trouvé un petit peu. Vous avez vu tous les matchs? J'ai pas vu tous les matchs du Barça, mais j'ai vu tous les matchs du Barça. 90%. Je vais rectifier. Je l'ai pas vu aussi impérial. Il y a deux ou trois ans, voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça meilleur qu'il y a deux ou trois joueur. Ans. Moi, je trouve qu'il a fait une superbe saison. Si. Mais il a très mal terminé. Très mal. Il a raté plusieurs matchs cette saison, ce qui n'était pas son habitude. Ouais. Voilà, après l'arrivée de De Jong, c'est aussi Est-ce qu'on peut vite revoir encore une fois cette équipe de Barcelone? Je voudrais quand même savoir... Griezmann devant. Alors oui, l'avis de Griezmann devant, exactement. Griezmann devant. Bon, alors, c'est parfait, évidemment. Mais ça prend le bon choix. Voilà, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que ça prend le bon choix? Est-ce que ça sera le complément idéal de Léo Messi? Je pense que oui. Parce qu'on a vu que Coutinho, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Dembélé, c'est un superbe joueur, mais qui est totalement irrégulier et qui a, à mon avis, une hygiène de vie déplorable. Ce qui fait qu'au Barça, ça ne le fera pas. Voilà. Malheureusement, et quand on parle de ça, on parle de deux joueurs qui ont payé plus de 120 et 150 millions pour chaque joueur. Mmh. Griezmann, je pense que ça va se faire. Alors tout le monde est sur le fait qu'il ait été sifflé au dernier match. Il était présent entre le Barça et l'Atlético. Maintenant, dans le football, on a la mémoire courte. Et je crois que d'avoir un Griezmann à côté d'un Messi et d'un Suarez, je pense que les sociaux vont gentiment être convaincus. Et je pense qu'on se dirige vraiment vers un Griezmann à Barcelone. Il y a très bonne gestion de son transfert, un Griezmann qui voulait... moyenne au niveau de voulait nous faire la décision de l'Atlético. Ouais, en télévision. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il voulait refaire... Alors, pour la petite histoire, il voulait refaire une vidéo comme l'année passée. La décision. Et la décision de l'Atlético a été de... Non. Tais-toi. On fait une petite vidéo, point à la ligne. Moi, j'aimerais bien une concurrence pour Suarez devant. Un bon avant-centre. Ben, moi, je suis d'accord. Vraiment, pour l'instant, pourquoi est-ce qu'il se bouge? Suarez, il a fait son temps aussi, il me semble. Peut-être qu'il manque de concurrence, comme Nesta. Techniquement, ouais, peut-être la concurrence lui mettra. Par contre, le jeune milieu terrain de Jong de l'Ajax. Moi, je mets De Jong à la place. Je vais voir ce que ça va donner. Oh, il est bon. Non, c'est un super joueur. Busquets, il est dépassé dans le rythme. Toujours est-il que ça va quand même bouger en Espagne, parce qu'on se doit de réagir, non seulement à Barcelone, on en a parlé aujourd'hui, on parlera peut-être une autre fois du Real Madrid, où Zidane veut absolument tous les joueurs qui bougent. Le prochain, ça pourrait être de Nazar. Il a pris un risque. Il a pris un risque, mais ce qui est bon et ce qui est bon est cher, et on va voir ce qui va se passer. Enfin, voilà, on va continuer notre tour d'Europe. Je vous disais tout à l'heure que deux grands championnats n'ont pas vécu leur dernière journée. Parmi ceux-là, il y a la Ligue 1 et la Serie A. Alors, tout est dit en France concernant l'Europe. C'est beaucoup moins le cas en Italie, où quatre clubs se disputent de place. Mais l'info vraiment qui fait frémir la botte aujourd'hui, elle tourne autour de Massimiliano Allegri. Ouais, Massimiliano Allegri qui quitte la Juventus, il l'a annoncé vendredi. La vieille dame perd quand même son entraîneur qui lui a offert en 5 ans 5 titres, 4 coupes, 2 supercoupes d'Italie, 2 finales de Ligue des Champions. Alors avant de parler de sa succession, pourquoi autant de succès pour Massimiliano Allegri? Qu'est-ce qu'il a de différent? D'abord, je pense que c'est un bon entraîneur, quoi. Il est né presque pratiquement entraîneur, quoi. Donc on voit les résultats. Maintenant, il y a une chose qui me surprend. Là, j'ai appris d'abord qu'il était d'accord pour partir. C'est lui qui a demandé à partir. Mais j'ai aussi vu quelque part qu'il avait envie, éventuellement de rester. Quoi. Mais il a surtout tout changé. Finalement, on s'est dit. Et le président a dit non, on n'est pas d'accord. Donc il quitte, quoi. Il voulait un peu plus un rôle de manager. Donc d'avoir plus d'impact dans les décisions. Il n'a pas son mot à dire non plus. À la Juventus. À la Juventus, ça ne serait pas comme ça. Il n'a pas le recrutement non plus. Justement, il paraîtrait qu'il y a quelques joueurs qui voulaient garder ou ne pas garder et qui ne seront pas tous d'accord. Après, pour moi, c'est une fin de cycle. C'est pour ça. Il a fait 5 ans, il a gagné tout ce qui était possible de gagner. Sauf la Champions. Mais il a pourtant été. Mais en Champions, voilà, il a fait 2 finales quand même. Mais il est fatigué parce que. Ça remplace pas. Alors, critiqué parce qu'au niveau du jeu, la Juventus, au niveau du jeu, voilà, on a toujours critiqué Allegri sur le jeu. Trop calculateur. Peut-être trop calculateur, mais en tout cas, il a fait. Attention, moi, c'est pas mon avis. Hein. Je pense que c'est un très grand entraîneur, mais c'est un très grand club avec de très grands joueurs. Donc, effectivement, les résultats d'avoir tous ce succès, l'entraîneur est très bon, mais il a aussi des joueurs exceptionnels.
Voilà. Et ouais. Je pense qu'il a eu que des très bons joueurs. Il a fait 5 années magnifiques. Je pense que c'est judicieux. On verra, hein, mais de passer à autre chose. Bon, même pour lui, peut-être. Qui? Ouais. Alors ça, c'est la grande question, je pense. Et vous savez qu'en Serie A, il a fêté 75% de victoires sur les matchs disputés en Serie A, 71% de victoires sur l'ensemble des compétitions. C'est quand même assez remarquable. À un certain moment, et on le voit en Espagne, notamment avec Zidane, il n'y a pas que le contingent hein, qui fait la différence. Je vous rappelle quand même qu'en Espagne, Zidane, depuis qu'il a pris l'équipe, si on faisait le classement depuis qu'il a repris l'équipe, le Real serait 8e. Non, mais le Real serait 8e. Là, je pense qu'il y a une rupture, et puis mentalement, ça n'a pas été. À Bordeaux, Souza qui était à Bâle, que des défaites. Je crois qu'ils sont derniers avec lui, pratiquement, pour dire. Ouais. Être entraîneur, c'est pas évident. Mais les chiffres lui donnent raison. Ouais. Maintenant, je dis pas que je le critique, mais il a souvent été critiqué au niveau du jeu. Ouais. Les chiffres lui donnent raison, il y a une effectivité qui est formidable. Est-ce que la Juventus peut se permettre d'avoir un entraîneur qui joue au foot aussi? En Suisse, il y avait une équipe qui avait beaucoup de succès, mais on disait, et les dirigeants disaient qu'ils n'aimaient pas spécialement parce qu'il n'y avait pas assez de spectacles, ni de jeux, ni de joueurs du cru, c'est le FC Bâle. Ils ont voulu tout révolutionner, et là, ça fait 2 ans de suite que IB est champion. Donc attention aussi à la Juventus de dire, ah, mais on ne fait pas le spectacle. Allegri, c'était solide. Et ça faisait des points. Mais au final, ils étaient champions. Solide, ouais, mais vous savez, moi, j'avais envie d'aller voir jouer la Juventus. Et quand j'ai vu qu'il fallait payer 250 € pour aller voir une équipe qui ne jouait pas au football, finalement, je me dis aussi que... Ouais. Voilà. On peut dire aussi que la beauté, c'est dans l'efficacité. Quoi. Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui jouent bien, qui jouent beau, mais qui ne gagnent jamais. Quoi. Oui, c'est juste. Bon, ça fait mal de voir une équipe qui ne joue pas, c'est vrai. Ouais, mais après, une équipe qui joue, puis qu'on prend 6 à la fin, voilà, ça fait aussi moins rêver. On en parle, Sarri, d'ailleurs, à la Juve. Et c'est un entraîneur qui joue vraiment offensivement, qui plaît. Mais après, la Juventus, ça reste une institution. Les titres, ils sont où? Le prochain entraîneur, ça ne va pas être évident. La suite d'Allegri, ça va être... ouais. Je veux dire, c'est de nouveau, c'est lourd. La vie du joueur qui a une carrière internationale, vous laissez quel pourcentage de bonus dans une performance pour l'entraîneur? C'est du 50-50, c'est plus les joueurs, c'est plus super entraîneurs. Important, c'est lui qui vous met ouais, sur bon, le terrain. Pas ça parce que j'ai le bagage. Non, mais je regarde, mais c'est vrai. J'ai des joueurs. Il a été joueur, bien sûr. Écoutez, moi je veux dire, la fois avec Strasbourg, on a eu un entraîneur qui était vraiment compétent. En une année, on a éliminé Milan de la Coupe d'Europe, on a éliminé Barcelone, on a fait plein, grâce à l'entraîneur. Il y avait des bons joueurs qui étaient à Strasbourg, mais l'entraîneur d'avant, il y a un réussi avec ses joueurs. Donc, je dis, l'homme le plus important, c'est le président. Et le deuxième, c'est l'entraîneur. Et le troisième, c'est peut-être l'avancement, c'est Messi peut-être. C'est exactement ça. Mais il a une importance extraordinaire. C'est lui qui vous motive, parce que nous, on est sur le terrain, on va pour jouer, non? Mais c'est lui qui met. Pour remplacer Massimiliano Allegri, il faudra être courageux quand même. Qui sera à sa place? Un homme courageux, surtout un homme qui plaît aux dirigeants, voilà, déjà, et qui plaît à certains joueurs de l'équipe, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ont une importance, voilà, quel est sûrement le cas de Ronaldo et d'autres. Mm-hmm. Donc voilà, ça va être compliqué. Je pense que celui qui va venir de toute façon sera de toute façon un très grand entraîneur, puisque la Juventus ne peut pas se permettre. Avec le standing, ça va être un nom. Ouais, quelqu'un qui va apporter quelque chose. Si je vous dis surtout pas ça, quelle est votre réaction? J'attendais. Alors, ça, c'est le problème avec le public de la Juve. Il le déteste. Il le déteste, la Juventine. Inconnu au bataillon. Inconnu. Ils sont entraînés à l'AC Milan. Il vient à l'AC Milan. Et puis, les Hollandais sont mis. C'est pas eux qui commandaient, les Hollandais. C'est ça qu'ils commandaient. Avec quelle réussite aussi. Peut-être un nouvel entraîneur. Quelqu'un peut-être de pas aussi. Il faut le faire. Mourinho. Mourinho. Bon, c'est des gros soucis avec Ronaldo. Sur le marché maintenant. Il a des gros soucis de relationnel avec Ronaldo. Oui, mais après on est dans le football, tout s'arrange. Ils ont le même manager. Voilà, mais tout s'arrange au football. Mais c'est vrai que. Je serais pas enchanté de voir le même agent. Je suis pas sûr que les dirigeants de Juventus aient envie de prendre ce pari-là. Il y a des paris à prendre, mais on le voit souvent. Je pense qu'il y a plus un pari avec un jeune entraîneur, peut-être quelqu'un moins. Peut-être que ça sera moins cher, parce que si on regarde Klopp, là, Guardiola, pardon, qui vient de re-signer à City, c'est 22 millions par saison pour 5 ans. Il a re-signé là maintenant. Oui, mais je crois que 22 millions par saison, il faut avoir les moyens. Oui, mais je crois que la Juventus aujourd'hui, ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas les moyens. Les moyens, ils les auront maintenant. Ça va être une question de voir quel est le meilleur entraîneur pour cette équipe-là. Donc ça, c'est une réflexion qui doit avoir en ce moment, j'imagine. Oui. On ira se renseigner. Je pense que c'est net. Puisqu'on parle de l'Italie, je voudrais quand même vous rappeler que vous pouvez suivre tous les matchs de la Serie A italienne sur Téléclub, et cette dernière journée sera très importante dimanche, puisqu'il y a des places qualificatives pour la Ligue des Champions qui sont en jeu. Regardez le classement de cette Serie A avant la dernière journée, et on se rend compte donc que derrière la Juventus et Naples, ils sont encore 4 à pouvoir prétendre à se qualifier.
Atalanta, les deux Milan et la Roma. Il y a quand même des chances qu'un des deux Milan ait restaqué. On peut dire qu'Atalanta a foutu un sacré bordel. Oui, un sacré bordel. Oui. Et c'est en même hier. Un des Milanais va rester sur le carreau, à mon avis. On peut estimer qu'Atalanta est tout près de Milan, donc. Pas sur le carreau. On ne va pas jouer la Champions League. Non, mais à mon avis, les positions vont rester les mêmes. Parce que vu les derniers matchs, l'Atalanta qui va jouer contre Sassuolo. Oui, l'Atalanta a la forte chance de l'emporter. L'Inter qui joue contre Empoli. Alors Empoli doit sauver sa saison, mais l'Inter doit aussi sauver sa saison. L'Atalanta joue contre Sassuolo. Sassuolo, voilà. Ça risque de passer. Moi, j'ai vu hier soir. Ah, ils courent, hein, les mecs. Ouais. Non, ça risque de passer. Alors là, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui attend. Et l'année prochaine, Atalanta-Real Madrid. Après, ce qui est intéressant, c'est la fin du classement. Alors justement, la fin du classement avec notamment la Genoa qui risque la relégation. Ce n'était pas trop prévu quand même. Historiquement parlant, ça fait même mal. Bon, je pense, ils ont un dernier match contre la Fiorentina. Empoli joue contre l'Inter, non ? Ouais, l'Empoli joue contre l'Inter à Milan. Et le jeune joue contre la Fiorentina à Florence. Florence n'a plus rien à jouer. Honnêtement, je vois plus Empoli descendre. Ben voilà pour ce que l'on peut dire sur cette Série A. Je vous rappelle donc que tous les matchs sont à suivre en direct sur Téléclub et ce sera dimanche après-midi. Si vous aimez le foot italien, c'est un rendez-vous que je vous conseille de suivre. Ah oui, avec. Je vous conseille de suivre également la fin de cette émission puisqu'on rentre dans le temps additionnel. C'est-à-dire qu'il nous reste à peine quelques minutes pour découvrir 5 tweets. Vous allez me dire celui qui vous impressionne le plus, messieurs. Voici la sélection de la semaine, avec d'abord l'honneur aux dames et aux filles de l'Olympique Lyonnais qui dominent l'Europe depuis 2001, avec 6 Champions League, dont les 4 dernières. Êtes-vous éventuellement tenté par les records de Young Boys qui, à 2 journées de la fin du championnat, récolte 88 points au classement et a marqué 94 buts, 2 records détenus jusque-là par le FC Bâle? Ou alors à l'international, la saison exceptionnelle de Manchester City qui, pour la première fois de l'histoire du foot anglais, réalise le quadruplé national. Sans doute que la Champions League, c'est peut-être pour l'année prochaine. Ou encore, exploit individuel cette fois-ci pour Kingsley Coman, le joueur du Bayern. 8 fois champion en 7 saisons. 2 fois avec le PSG, 2 fois avec la Juve, 4 fois avec le Bayern. Difficile de faire beaucoup mieux. Et puisqu'on parle du Bayern, un hommage quand même à Franck Ribéry qui quitte le club avec 9 titres de champion d'Allemagne en poche. Personne n'avait fait aussi bien à ce jour. Alors messieurs, tour de table, quelle est la statistique qui vous a le plus impressionné, Vincent ? Toutes. Bon. Non mais vraiment toutes, parce qu'elles sont toutes dans un autre domaine, elles sont toutes particulières. Le fait que Coman soit 8 fois champion en 7 saisons, ça je pense que c'est irréalisable en fait, c'est drôle. Non, pas sur le terrain. Il sera pas sur le terrain. Non, enfin, il était pas tout le temps sur le terrain. Mais peu importe. Vidal fait pas mal aussi. Hein. Ah, Vidal il est pas mal. Vidal il est pas mal hein, là-dessus. Il a fait... il a eu des leads dans trois championnats différents et je pense qu'il est... Il est pas loin de ça, Vidal. Et sinon, l'attaque de feu du Young Boys cette saison, qui est complètement fou. Enfin, d'avoir marqué. Et les filles de Lyon qui ont gagné 6 fois championne d'Europe. 6 fois championne d'Europe depuis 2001, dont les 4 dernières éditions. C'est comme si on demandait de choisir le papa et la maman, quoi. C'est difficile, parce que c'est tous des exploits, quoi. C'est vraiment. Mais les filles aussi sont pas mal. Elles dominent vraiment le football. Moi, je m'appelle pour Ribéry, mais simplement pour le fait qu'il termine sa carrière au Bayern et qu'il a marqué un but. Encore magnifique ce week-end pour juste mettre le petit point. Alors, on aime ou on n'aime pas Ribéry, mais voilà. – Ribéry, pour vous, les filles de l'OL, pour vous, on l'a compris, c'est un peu tout le monde, et pour vous, Nestor ?– Moi, j'ai Coman, si jeune, à 22 ans, tellement de 22 titres. – 22 ans, ouais, c'est impressionnant. Ouais. – ouais. Ben voilà, en tout cas, ce sont des statistiques qui sont assez impressionnantes. Vous voyez, quand même, allez, on est en Suisse quand même. Allez, IB, maintenant, il va falloir aller... pour devenir champion, il va falloir toucher de nouveau à ses records. C'est pas évident. Il peut mieux faire encore en Coupe d'Europe. Mais nous surprennent plus. IB a été fabuleux. IB nous surprennent plus, c'est ça qui est un peu... Ils ont fait des magnifiques. Ils nous surprennent plus, IB. C'est une grande équipe. On va espérer que l'année prochaine, il y ait plus de compétitions en Super League. Voilà. Oui, ça serait bien. Dans le classement. Il faut pas qu'il mi-classement, on est quand même sur quelque chose de. Non, mi-classement, on est pas mal. Aussi, avec Servette. Il nous reste 2 minutes de temps additionnel, messieurs. Alors, puisqu'on a le temps encore, je vais vous faire découvrir la une de l'équipe d'aujourd'hui. Mbappé, le trophée de la phrase choc. Alors, c'est quoi la phrase choc? Kylian Mbappé apparemment maîtrise totalement la communication. En tout cas, il a lancé une petite phrase qui a fait paniquer tout Paris. Il pourrait s'intéresser à un autre projet dans un autre club parce qu'il veut plus de responsabilités. Est-ce qu'il perd la sagesse qu'on a bien voulu lui conférer jusqu'ici, Gilbert? Mon épouse a dit que pour son bien à lui, il faudrait qu'il quitte Paris, pour aller ailleurs. Si votre épouse le dit. Elle a raison. Moi je pense que c'est la phrase de trop. Je pense que ce n'était pas nécessaire. Et puis, ça montre, ce qui est dommage, peut-être une arrogance totale. Il est le meilleur joueur, c'est vrai, 30 buts.
Il a fait une saison, 32 buts, une saison magnifique. Maintenant, est-ce que c'était vraiment l'endroit et le moment pour faire une petite phrase comme ça? C'est Paris. Ça fait monter les enchères. Ouais, mais moi, je suis pas. De nouveau, je suis agent. Vous êtes agent. Voilà, mais je pense que c'est pas nécessaire. C'était dans une cérémonie comme ça, c'était pas nécessaire. C'est Paris. Pour ça, ma femme m'a dit, il faut qu'il quitte Paris. Parce que on en parle au Real. Eh ben oui, c'est possible. Mais je pense que c'est pas une phrase qui a sa place à ce moment-là dans une cérémonie où vous êtes nominé comme meilleur joueur et meilleur espoir. C'est de la stratégie. Moi, je trouve mais ça vraiment dommage parce que... Pas à ce moment-là. C'est pas une belle image. Quand il était à Monaco, il avait déjà plus ou moins ce statut de pépite, de joueur qui va exploser, qui va devenir grand, etc. Et on avait comme le sentiment qu'il était sur la retenue, qu'il était, je ne vais pas dire intelligent, mais en tout cas, dans sa manière de communiquer... Il avait une sympathie. Exactement. Ouais. Il était bien entouré. Là, et le fait de se retrouver à Paris, alors certains diront c'est l'influence de Neymar, c'est le problème de l'argent. Il est entouré par qui? À l'époque, il était entouré par ses parents, certainement. Ouais, et là, maintenant, et là, maintenant c'est difficile de savoir ce qui se passe autour de lui. Aujourd'hui, c'est voilà, ouais, c'est pas une bonne bon exemple. Il est manière financée, mais cette phrase à ce moment-là. Mais c'est dommage, dans la mesure où c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire qui va éclore. On ne sait pas. Peut-être. On ne sait pas. Après, c'est peut-être, faut accepter. Mais il faut aussi que dans sa gestion, voilà. Ça, enfin, je vous rappelle qu'il a envie de jouer dans un vrai grand club. Oui, mais je vous rappelle quand même. Est-ce que dans un vrai grand club, il aura les mêmes résultats? Désolé pour les Parisiens, c'est pas encore un grand club. Et puis dire qu'il n'a pas de responsabilité à Paris, ça me semble un peu gros, quoi. Je vous rappelle quand même que Cristiano Ronaldo, juste après une finale de Coupe d'Europe de Ligue des Champions remportée, avait parlé de son départ. Oui, mais Ronaldo, après combien de titres, à combien de titres et combien de Champions League avec la Juventus? On parle d'Mbappé. Huitième de finale, qui est un joueur qui a 3-4 saisons en première, en première division française. Je pense un peu d'humilité ne lui ferait pas de mal. Oui, mais le problème, c'est aussi tout l'emballement médiatique autour de lui. C'est-à-dire que quand l'équipe dit « Ah, c'est peut-être le prochain Ballon d'Or, cette année, c'est peut-être pour Mbappé, etc. », tout ce qui l'entoure et tout ce qu'il vit, moi, je peux comprendre que ce soit grisant et je peux comprendre que ce soit difficile à gérer. Mais c'est pour ça qu'il faut mieux l'entourer. Communication, Marc. C'est Regardez vrai. Donc la grande star de Paris, Neymar. Où était le dernier match avant Noël? En vacances déjà. Il n'a même pas joué le dernier match. Il se soigne où? Sur les pistes de danse à 4h du matin au Brésil. Et les journalistes français ne savent pas le dire. Parce qu'ils n'ont plus d'intégrité. Moi, je ne suis pas journaliste, je le dis. Je vous propose Neymar dans votre équipe. Vous le prenez ou vous le prenez pas? Pas d'exemple pour Mbappé, pardon. Non, je vous propose Neymar, je vous le donne, gratuit. Voilà, vous le prenez? Neymar? Oui. Mais non, j'en veux pas. Et Zidane n'en veut pas non plus. Trop difficile à gérer. Mais Zidane n'en veut pas non plus. Attention. On ne sait pas. Grand joueur, on verra. Le mercato est ouvert. Comme je le disais tout à l'heure, Zidane, il est prêt à engager à peu près tout ce qui bouge et qui est bon sur la planète football. Selon les médias. Il est désespéré. Selon les médias. Merci Vincent Rigolet. Merci d'avoir tempéré mon propos. Vous avez raison. Merci. Ben voilà, vous avez entendu. Merci messieurs d'avoir participé à ce match après match. Vous êtes sur Téléclub Zoom. Je vous rappelle quand même qu'il faut suivre à 20h20 le match de Serie A entre la Lazio et Bologne. Et toujours sur Zoom, le replay du championnat du monde de hockey à 23h avec Laurent Antonioli. Et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur Téléclub, le match qui vient de sortir. On y parle notamment de la finale de la Ligue des Champions que vous pourrez suivre en accès libre sur les différents canaux de diffusion de Téléclub. Et c'est également valable, c'est important de le préciser, également pour les non-clients Swisscom. Voilà. Roberto Dominiac et Daniel Romano étaient aux commandes de cette émission. Je peux vous dire que l'oreille a été la chauffée aujourd'hui. Rendez-vous lundi prochain avec Elodie Croza pour une nouvelle édition de Match après Match. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Merci messieurs et à bientôt. Bye bye. Merci.